Bon. Pardon, madame, vous auriez pas l'heure? Il est 11h moins le quart. Merci. Bernard, tu vois? Ça va, ça va. Bah, tu as l'air tout chose. Les gens sont incroyables. À l'instant, je vois passer une vieille dame chargée de ses dernières provisions. Et un monsieur qui lui demande comme ça, un monsieur grand, fort, costaud. Pardon, madame, avez l'heure, s'il vous plaît. Sans même se découvrir. Attends, c'est pas fini. Avez l'heure, s'il vous plaît. La pauvre dame pose gentiment ses deux paniers par terre. L'un s'écoule à moitié. Le type ne se baisse même pas pour la ramasser. Elle regarde gentiment sa montre et lui dit gentiment 11h moins le quart, monsieur. Non, mais. Et le type s'en va en la bousculant sans même lui demander pardon. Et elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle a repris ses paniers à provision. Et elle est repartie vers sa chaumière, la démarche lourde, silencieuse dans la douleur. Oh, c'est insensé. Je suis bouleversé. Bonjour à Max. Au revoir, Bernard. Au revoir. Oh. Tiens, la jaune. Ça, c'est drôle. Oh. Dis donc, tu sais ce qui vient d'arriver? Quoi? Alors, écoute, c'est incroyable. Une petite vieille revient de son marché. Toute sa famille, toutes ses économies y ont été consacrées. Elle marche, lentement, courbée. L'œil triste. Moi, comment le sais-tu ? Je la vois. Oh. Alors, arrive un type serré dans son imperméable noir. Il est brun, la peau mate. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses? Il la voit et en un bond, il est sur elle. Il la colle contre le mur et lui dit: vous avez l'heure? S'il vous plaît. Comment? Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Même pas. Vous avez l'heure glaciale. La pauvre femme terrorisée pose ses deux paniers par terre. L'un d'eux se renverse. Et le type, il a un rire cynique. Exact. Elle regarde sa montre. 11h moins le quart, dit-elle en relevant la tête. Ah, le type, il avait déjà ramassé tout ce qu'il avait par terre. Alors, elle essaie un geste, et il lui donne un coup d'épaule, et il part en courant. La pauvre vieille titube s'étale de tout son lit. En se démettant une cause, hein. Elle arrive à peine à se relever pour regarder ses deux paniers vides. Deux larmes coulent de ses yeux. Bleu. Elle repart nourrir sa maisonnée avec ce qu'il y reste dans son panier, sans gémir, en serrant les dents. Le salon. Au revoir, Françoise. Au revoir, la jaune. Mais c'est la petite Française. Oh, tout s'en va, tout fout le camp. Mon cher, la vie, l'amour, la mort. T'as reçu un choc?
Oui, tout pourri. Je... Là. Oh là. Tiens, comment c'est-il arrivé? Bêtement. Une brave femme, la soixantaine, qui passait là, comme ça. Elle passait là, comme ça. Et moi? Et toi aussi, tu penchais là comme ça? C'est ça. Elle traînait à bout de bras deux misérables cabas. 50 kilos de pommes de terre. Ou quelque chose comme ça. Parfois, une tombait, mais elle ne la ramassait pas. Tant ses bras étaient usés par les hommes. Le vent glacial lui giflait le visage. Et ses haillons usés par les ans ne protégeaient pas ces deux grands yeux noirs que des cernes accusées. Brillait une petite lueur de vie indispensable pour traîner 50 kilos de pommes de terre. Tout à coup, une grosse limousine noire freine. Descend un homme, couvert de chevalières en croco et de chaussures en or. Le teint basané. J'ai vu. Cravate framboise, il croise la villageoise. Il la croise. Tu suis? Oui, Françoise. Après avoir allumé un Havane, méprisant, il lui souffle la fumée à la figure. Merci, lui répond la brave femme. Ça l'a réchauffé. Ta poleur m'énerve, lui crache-t-il à la face. Si, répond la brave femme. Elle sort de son cabas une petite montre goussée qu'elle cachait dans les pommes de terre. Il est 11h moins le quart, monsieur. Le type éclate de rire, lui arrache ses deux cabas, les jette dans sa limousine, donne un coup de talon dans la tête de la vieille qui gicle sur le trottoir. Et toi, qu'est-ce que t'en fais? Il y avait du sang partout. La brave femme soubresauta quelques instants, essayant d'attraper le dernier tubercule qui roulait sur la chaussée. Puis se tut. T'en fais quoi, toi, alors? Moi, j'ai eu un choc. Et j'ai vomi. Une ambulance est arrivée, l'a emmenée. Puis après, je ne sais plus ce qui est arrivé. Eh bien, je vais te raccompagner. Non, laisse. Je préfère marcher quelque peu pour que le froid me redonne la force de vivre. Bonjour, ma Françoise. Bah, dis donc. Tiens, monsieur Bacon. Ma mère tronche. Comment que ça va-t-il, ma mère tronche? Ma mère tronche. Que se passe-t-il? Terrifiant. Expliquez-vous, quel diable. Je suis fort étonnée de vous voir en cet état-là. Un meurtre. Dieu, que me chantez-vous, là? Mais je vous chante rien du tout. Et je vous dis, et la vérité. Parlez, ami, parlez. Eh bien, une vieille, une négresse, tirait 200 kilos de pommes de terre. Mais encore? C'est déjà pas si mal. Mais après, si vous voulez? Eh bien, la pauvre vieille négresse en haillons tirait 200 kilos de patates pour nourrir sa nichée dans sa cosse. Affamée, sa nichée? Alors, juste nage, j'allais donner un coup de main. Quand une énorme bagnole noire... Noire? Noire! Elle coupait la route!
Elle freine. Cring. Il y a un type. Il descendit. Style. Bam. Descendit. Il s'approcha d'elle. Puis il la regarde avec son côté. Chalalalala. Et puis il dit. Il lui dit. Pardon, madame, vous n'auriez pas l'heure? Non! Si! La vieille, elle se penche dans son cabas pour regarder l'heure. Et paf! Ah. Il la chaîne comme un cochon! Il a. Avec son. Oui! Il va chez nos chèques! Oh, il dit, et de la belle patate! Et de la vache! Il s'en fout de la nourriture! Et puis il démarre à double tour! Et vroom, vroom! Et puis la chute, quoi. Elle, les cris des curieux, et badauds qui s'évanouissent. Les sirènes des ambulances, les brancardiers, infirmiers, et puis on bouge-gule. Et puis la pluie qui se met à tomber. Et j'ai les pieds tout trempés, et puis je suis transi de frais. Et puis j'ai la chute, quoi. Il y a encore du sang. Pardon, madame, vous n'auriez pas l'heure. Je suis trop con. Hein? Allez, au revoir, la mère tronche. Hein. Et puis, la vie continue. C'est comme ça. Au revoir, monsieur Bacon. Pardon, madame, vous n'auriez pas l'heure.